Coucou Swan. Salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et Copain et Copine, on espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. C'est quoi cette grande feuille là? C'est la feuille des fournitures scolaires. Oh, il y en a beaucoup? Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup. Eh oui, c'est le moment de la chasse aux fournitures scolaires pour Swan. Et tu rentres en quelle classe, petit cœur? CE2. Mais oui, on vous rappelle que Swan a sauté une classe, il a sauté le CE1. Donc le voilà déjà au CE2. Et on l'a fait où, notre chasse aux fournitures scolaires cette année? Bureau Vallée. Absolument. On est chez Bureau Vallée. Je ne sais pas si vous connaissez, les copains et les copines. C'est une enseigne qui est présente un petit peu partout en France. Alors ça s'appelle Bureau Vallée, mais ça ne fait pas que les fournitures de bureau, preuve en est. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour l'école et pour tous les âges. De la maternelle au lycée, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, on est dans le magasin de Villefranche-sur-Saône pour information, mais il y en a un petit peu partout aussi. Vous pouvez trouver très facilement partout en France. Et du coup, grande liste de fournitures. J'ai l'impression que ça ne rigole plus. Hein. On te demande même un compas. Tu te rends compte? C'est quoi un compas? Justement, on va te montrer ce qu'est un compas. Je pense que tu vas faire des découvertes. Est-ce que tu es prêt pour ta chasse aux fournitures scolaires 2018? Prêt! Allez, c'est parti! Derrière toi, il y a les cartables, sinon il y a les trousses, les agendas, les cahiers. Qu'est-ce que tu veux faire en premier? Cartable. Alors, on commence par le cartable. Alors, toi, en primaire, il faut un vrai cartable. Tu n'as pas encore le droit au sac à dos. Alors, c'est bien dommage parce qu'il y a plein de choix super sympas. Mais pour le moment, pour toi, c'est encore le cartable. Alors, les cartables, ils sont juste ici. Regarde, ça démarre là-haut. Tu as les Avengers, tu as une moto, tu as Griezmann, tu as Friggen ici. Encore une moto, une voiture, encore le foot. Là, tu as aussi Caporal. Voilà. Avengers. Tu veux Avengers là-haut? Ouais. Alors, on va le descendre pour le voir de plus près. Alors, ce sont les Marvel. Je suis pas sûre qu'il y ait tous les Avengers. Tu les reconnais? Spider-Man, Thor, Hulk, Captain America, Iron Man. Et voilà, et on les retrouve ici en petite tête. On va peut-être voir quand même l'intérieur du cartable aussi. Accessoirement, c'est pour aller à l'école et mettre tes affaires dedans. Hein. Allez, on l'ouvre et on vérifie le rangement intérieur. Alors, déjà, est-ce que tu arrives bien à l'ouvrir? Ça va. Ça va, donc c'est bon. L'intérieur, c'est tout noir. C'est tout noir, ben oui. Donc, tu as une première poche là. Une deuxième... Oh, il y a trois poches en plus, regarde, génial. Oh, hein. Plus une petite poche devant. On ouvre. Oh, ça va bien. Ça va. Bien, trois grandes poches plus une petite. Super. À mon avis, pour le CE2, il est très très bien celui-là. Il correspond complètement. Et t'as encore ici, tu vois? Ça, c'est pour mettre par exemple l'étiquette cantine, tu vois? Tu peux mettre ça là. Ou ton emploi du temps. Enfin, ton emploi du temps, toi, il bouge pas beaucoup au CE2, hein, mais bon. Ça fait aussi miroir pour faire des grimaces, oui, tout à fait. Nouvelle fonction pour le cartable. Alors, c'est bon? On prend celui-là? Oui. Allez, cartable adopté. On a amené ton cartable de l'année dernière. Ah ouais? Oui, regarde. Tadam. Donc ça, c'est le cartable du CP, du coup, CE1 de Swan, puisqu'il a fait les deux années en une. Et on l'a ramené parce que, alors, il est plus tout neuf, bien sûr, hein, Swan a fait l'année avec, mais il est encore en état. Et ici, ils ont justement une opération très sympa, c'est-à-dire qu'ils reprennent les cartables de l'année dernière. Du coup, ils offrent un bon d'achat qui est valable sur la liste de fournitures scolaires de cette année. Et ensuite, ils offrent les cartables à une association pour les enfants bah, qui ont besoin justement d'être aidés pour leur rentrée scolaire. Oh. C'est bien ça. Donc du coup, ton cartable, il va être donné à d'autres enfants qui en ont besoin. Ok. Ça te va? Oui. Allez, c'est une bonne initiative effectivement de leur part. On participe. Et maintenant? Les trousses. La trousse, bien sûr, et tout le nécessaire qui va dedans. Tu es prêt? On part aux trousses. Cramponne-toi. Je t'emmène. Vroom. Allez, c'est parti, on va aux trousses. Ah tiens, il y en avait d'autres encore des cartables, là. Ah oui, tiens. Regarde, il y avait encore Transformers. Ah oui, il y avait deux Transformers là-haut. Et il y avait encore un autre Avengers. Mais ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont plus petits. C'est pour des enfants plus jeunes, j'ai l'impression. Alors, les trousses, il y en a ici. Donc là, c'est vraiment le foot. La Coupe du Monde, je vous rappelle que la France a remporté la Coupe du Monde. Donc forcément, là, le foot est vraiment à l'honneur. Et là, il y a d'autres trousses. Oh, regarde, Swan. Quoi? Attends, c'est pas excellent, ça? Oh, je veux. Une trousse sandwich. Regarde. Des petites trousses sandwich et hamburger.
Attends, moi je veux un hamburger. Attends, on va voir la taille, hein, parce que c'est Léo, joli, mais ça m'a l'air par petit. Par contre, Léo, il va être trop jaloux. T'es sûr que Néo voudra ça pour aller à l'école? Je suis pas sûre. Il y a même une glace, regarde. Oh, mais ça, c'est meilleur. Excellent. C'est vraiment excellent, ça. Trop bien, la trousse. Regarde tout ce qu'il y a. Je veux la glace. Génial. Attends, on va voir, on va pas toutes les prendre. Il y en a encore ici. Mais je remplace par la glace. Et il y en a encore là, tu veux la glace. On va voir ça, mais si ça se trouve, il te faut plusieurs trousses, donc il va falloir plusieurs choix. Alors, je crois que Swan veut adopter cette trousse. Alors, l'année dernière, tu avais mis les crayons de couleur et les feutres dans une double trousse, en fait. Il y avait une pochette crayon de couleur, une pochette feutre. Là, ils n'ont pas précisé, ils ont mis une pochette de feutre, une pochette de crayons de couleur, plus une trousse garnie. Alors, est-ce que tu veux des trousses pour mettre quand même les crayons de couleur et les feutres? Tu veux essayer? En fait, tu veux cette trousse, quoi. En gros, c'est ça. Bon, alors, tu sais ce que je te propose? On va prendre une trousse un peu plus grande pour l'école. Et si tu veux, la trousse glace, on la prend pour la maison. Pour mettre les crayons de la maison dedans. Tu veux? Allez, c'est bon, réadopte. Allez, allez, on prend la glace. Donc, on vient d'adopter cette trousse glace. Elle est excellente. Et il faut une autre trousse pour l'école. Alors, on va peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus conventionnel pour l'école. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, alors? Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette trousse. C'est ça? Elle est très grande et elle me plaît. C'est smiley, c'est ça? Smiley. Ça te va ça pour l'école? Ouais, elle va. Allez, adopté. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la trousse? Regarde, c'est précisé en haut. Une trousse garnie. Donc là, il faut mettre un stylo type roller ou friction. Tu sais, ce sont ceux qui s'effacent avec le capuchon là. Ah oui, je me rappelle. Alors, est-ce que c'est là? Non. Bah tiens, c'est ça, le compas. On parlait du compas tout à l'heure, tu vois? C'est ça le compas? Ouais, c'est ça. Mais il t'en faut un, tiens, justement. Tu veux qu'on le prenne maintenant? Ah non, ça c'est un rapporteur, Loulou, pas du tout. Les compas, c'est là, regarde. Ah, d'accord. Les compas, c'est ça pour tracer des cercles. Alors, on va regarder. Tu vois, là, il y a marqué collège, 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 collège. On va chercher pour l'école primaire. Alors, on a trouvé le compas. On a pris un modèle comme ceci. C'est exprès pour les petits, justement. Enfin, les petits. Swan n'est plus petit, bien sûr, il faut que je m'y fasse. Il est très grand, évidemment. Il rentre au CE2, mais quand même, voilà, c'est adapté à la main de l'enfant. Donc, c'est complètement sécurisé. Et pour un compas, ça va bien me sécuriser, moi aussi. Parfait. Et du coup, on prend aussi les petits crayons de rechange qui vont avec. Ah, voilà les fameux stylos à friction. Fluo, il y a même fluo. Super, il y a toutes les couleurs qu'on veut. Alors, les stylos à friction, on a découvert ça il y a 2 ans avec Néo, en fait. Et vraiment, c'est génial. C'est génial. C'est super pour les enfants de tous les âges, même au collège, c'est parfait. Donc Néo, il utilise ça pour le collège. C'est comme un stylo plume, en fait. L'encre ressemble précisément à celle d'un stylo plume. On voit pas la différence sur le papier. Mais par contre, à l'usage, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut l'effacer avec cette partie-là. Ça permet d'avoir une présentation beaucoup plus soignée. Là, c'est la gamme Mika. Je vous l'avais montré en story sur Instagram. Je trouve ça super génial, il y a plein de couleurs. Puis moi j'aime bien le chanteur, donc ça tombe bien. Donc il te faut avec de l'encre bleue effaçable, donc on va prendre ça. Mais il te faut aussi 2 crayons fluo, un jaune et un vert, et ils en font aussi en friction. Ainsi que 4 stylos rouge, vert, bleu, noir. Et surtout pas de stylo 4 couleurs ni de stylo gadget. Ouh, c'est sérieux cette année. Alors je crois qu'on est bien là. T'en as mis un par terre par contre. On va le ramasser. Donc on a pris 4 bleus parce que bien sûr il faut faire l'année avec. Alors je suis même pas sûr qu'on fasse l'année d'ailleurs, mais on les changera au pire en cours de route. On a pris 2 noirs, 2 rouges, 2 verts, 2 fluo verts et... Tiens, pourquoi t'as 3 fluo? Ah non, 3 fluo verts et 3 fluo jaunes. Voilà. Bah là je crois qu'on est paré. Hein. Alors tant qu'on est là, on va prendre le reste. On te demande une équerre et une règle plate rigide transparente 20 cm. Non, non, ça c'est vraiment du matériel pour beaucoup plus tard, ça, tu vois. C'est là-dedans. Alors, ça serait bien qu'on prenne de l'incassable. Hein. Tu veux essayer des modèles pour gaucher? Ouais. Ah, mais ils ne sont pas incassables. Alors, voilà. Il faut choisir. C'est soit de l'incassable, soit du gaucher. Incassable. Incassable? Bon, bah voilà, tu t'adapteras au droitier, alors. Alors, l'équerre incassable, la voilà. C'est la verte. C'est bon. Et donc pour la règle 20 cm, c'est tout en bas, c'est là, regarde. Elle est là. 20 cm. Oui, voilà, c'est ça. Elle existe en bleu aussi. Tu veux vert ou bleu? Vert. Vert, c'est bien? Mais c'est assorti à l'équerre. Celle-là, regarde, c'est 15 cm. Et toi, on t'a demandé 20. Ok. Donc vert, c'est bon?
Oui. Elle est adoptée. Alors, on te demande aussi une paire de ciseaux à bourron. Alors, regarde, des ciseaux. Alors, pour les gauchers, regarde, il y a celui-ci. Donc, ils disent à partir de 8 ans. Mais comme toi, tu rentres au CE2, évidemment, tu vas être avec des enfants de 8 ans. Donc, il faut quand même que tu aies le même matériel qu'eux. Hein. Donc là, c'est 14 cm. Il me semble que c'est moins à bourron, là. Oui. On va prendre l'autre, hein, c'est mieux. Bon, ben voilà, on a adopté ceux-là. 12 cm, gaucher, bourron. Je pense qu'on est bien. Alors, la suite par ici. Il te faut crayon à papier, gomme, crayon de couleur, etc. C'est tout là. Alors, d'abord, il te faut une gomme et un crayon de papier. Il n'y a pas vraiment de précision, mais bon, en général, c'est ça. Regarde, les crayons de papier, ce sont les HB. Voilà, là, il y a tout ce qu'il faut, c'est très bien. On va prendre un lot comme ça pour faire l'année. Les gommes sont ici, il y a aussi les tailles crayons, donc là tu vas pouvoir choisir petit cas. Ah ben, tu vois les crayons de papier, ils étaient là, mais ce qu'on a trouvé là en HB, c'est très bien. Alors, les tailles crayons et les gommes, ça démarre ici. Là il y a des gommes un petit peu rigolotes. Les tailles crayons, ils sont là avec réservoir. Il y en a encore en dessous, voilà. Et puis les gommes sont là, donc il y a soit des petites gommes, soit des stylos gommes. Donc ça dépend de ce que Swan va préférer. Alors Swan, il a disparu parce qu'il a rencontré une abonnée et il est parti avec. Hello Swan, tu viens choisir ta gomme. Allez, coquin. Alors, gomme et taille crayon. Attends, déjà taille crayon, je vais prendre le même que l'année de mon CPCE1. D'accord. Donc en vert comme ça? C'est le même en fait. C'est le même, d'accord. Il y a vert, si bleu, violet, tu veux quoi? J'hésite entre bleu et vert. Ben comme moi, tu veux. Je vais prendre le vert. Allez, le vert. Et puis la gomme. Tu as le choix entre une petite gomme ou un crayon gomme? Je vais prendre en violet. Et voici le choix de Swan pour la gomme. Donc c'est violet, voilà. Et donc ça c'est super pratique évidemment pour ranger la gomme et qu'elle reste à peu près blanche le plus longtemps possible. Alors il te faut aussi une pochette de feutre et une pochette de crayon de couleur. Ils n'ont pas précisé le nombre. À mon avis 12 c'est pas mal. Hein. T'auras assez de couleurs quand même. Hein. Je pense que ça ira. Alors il te faut 12 feutres. Ils ne précisent pas non plus la taille de la mine. Mais CE2 ça commence à être un petit peu du travail de précision. Je pense qu'on va prendre pointe fine. Hein. Bon, finalement, Swan veut 18 couleurs. Bon, d'accord. Donc, 18 couleurs pointe fine, on a trouvé ça. Ça te va, ça? Oui. Allez, c'est bon. Adopté. Les crayons de couleur. Donc, pareil, tu as le choix. 12, 18, 24. Bon. Est-ce que tu veux qu'on les mette dans une trousse? Ou est-ce que tu veux les mettre dans une petite boîte en métal? Tu vois, il y a des boîtes en métal, mais souvent, elles ne tiennent pas l'année. En même temps, ça protège mieux les crayons au début d'année. 24 crayons dans la trousse. 24 dans la trousse? Tant que ça? Toutes les couleurs. Oh, alors regarde, il y a comme ça, 20 plus 4 fluo. Ou alors t'as comme ça, 24 couleurs un peu classiques. Je suis là. Bon ben c'est parti pour 24 couleurs. Eh ben dis donc avec tout ça. Alors l'étape suivante, ce sont les tubes de colle. Des bâtons de colle. On te demande des tubes de 40 grammes. Alors 40 grammes, ça doit être les très très gros. Pour l'instant, on ne les trouve pas. On a trouvé 21 grammes. Et celui-là, 40 grammes. C'est ça, en fait. Ah, là aussi. Si, si, ça y est, je les ai trouvés. 40 grammes. Tadam ! On prend tout le rayon. Ouais, bien sûr. Oui. On va prendre un peu de stock, mais pas tout le rayon, quand même. Il faut prendre aussi des étiquettes pour mettre sur tes cahiers. Donc là, tu as soit des étiquettes bleues, soit des étiquettes bleues et rouges, soit tu as les étiquettes Le Petit Prince avec le renard et la petite fille et le petit garçon. Qu'est-ce que tu préfères? Bleu. Toutes bleues? Oui, toutes bleues. Que du bleu. Allez, très classique cette année. Du coup, pour mettre les crayons de couleur et les feutres, est-ce qu'on reprend des trousses? Oui, on va reprendre des trousses. Donc il nous faut deux trousses de plus et il te faut aussi l'agenda. Allez, on va chercher deux trousses supplémentaires. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé du coup? Cactus vert. Les cactus verts. Sinon, il y a les cactus jaunes. Sinon, il y a les flamants bleus. Tu veux celle-ci? Oui. Alors, voici une des deux trousses. Et voici la deuxième trousse supplémentaire, choisie par Swan. Elle brille de mille feux. C'est turquoise. Oui, elle est très belle, petit cœur. Tout à fait. Bon, du coup, à côté des trousses, il y a les porte-vues. Donc, on ira chercher l'agenda après. Il te faut deux porte-documents de 60 vues avec couverture rigide. Alors regarde,
Tu vois, c'est indiqué, il y a des étiquettes. Les 78, ils sont là. Tu as tout ça jusqu'en bas. Tu peux en choisir deux. Et voici les porte-vues choisies par Swan. Donc, il y a un modèle violet. Swan aime beaucoup le violet. Et il y a un modèle vert flashy. Voilà. Voilà, ça sera coloré. Hein. Il te faut deux chemises cartonnées et quatre pochettes à élastique grand format. Alors, je ne comprends pas la différence entre les chemises cartonnées et les pochettes à élastique grand format. Je pense qu'on peut prendre des pochettes en plastique, c'est ça. Et les deux chemises, par contre, qui doivent être cartonnées. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Alors, là, il te faut, pour les pochettes élastiques grand format, il faut jaune, rouge, bleu et verte. Donc, soit comme ça. Je vais prendre rouge. Le bleu, soit un peu plus transparent. Le rouge, je vais prendre comme ça. Attends, le vert, d'ailleurs, c'est boss finale. Boss finale. Alors, on a trouvé vert, bleu qui gratte, rouge qui gratte aussi, le vert gratte aussi. Et par contre, la jaune ne gratte pas. Elle ne se faisait pas en gratte. Désolée, hein. Mais elle est jolie quand même. Alors, en pochette ou en chemise, il y avait plein d'autres choix. Il y avait notamment les Avengers. Il y avait Star Wars aussi. Il y a plein d'autres possibilités. Mais en fait, là, cette année, ils ont demandé des couleurs ou alors des cartonnés. C'est pas cartonné non plus. Ah si, c'est un petit peu cartonné, ça. Ah, il y a Soprano, d'ailleurs. Tadam. Je prends tout rien. Allez, t'as droit à deux chemises. Deux chemises en carton. Voilà, on prend autre chose que les couleurs. T'as déjà une jaune, chérie? Sinon, en dessous, regarde. Attends, mais ça, il y a beige, ça, noir, c'est orange, violet, gris. Tu veux un jaune poussin? Ouais, il est trop bien, un jaune. Donc, du coup, t'as pris un jaune poussin. Et effectivement, tu avais raison. La pochette en plastique, elle est un petit peu orangée. Donc, c'est bon comme ça? Ça te convient? Allez, à te juger. Alors, cette année, pas besoin de cahier pour Swan, en tout cas pas pour l'instant. Par contre, il faut un petit classeur, c'est là-bas. Alors ça, c'est pour l'anglais, donc tu vois, c'est un classeur, on nous dit, avec des petits anneaux de diamètre d'environ 10 mm. Donc ça veut dire des petits dos comme ça. Alors tu as comme ça, tu as des couleurs ici. Comme ça? Ça, c'en est un aussi, si tu veux cette couleur-là. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est turquoise. Regarde, il y a un autre turquoise là, c'est le même ou pas? Celui-là, il est plus brillant. Avec de l'ananas. L'ananas? Ah oui, ah pardon, j'avais pas vu les ananas pailletés. Tu veux les ananas ou pas? Oui, ce sera mieux. Alors, sinon, il y a aussi il y a Coca-Cola, il y a Soprano, il y a Marvel aussi. Mais ils sont peut-être un peu plus grands, les Marvel. T'as pris les ananas? Oui. Attends, il est excellent celui-là. Ananas. Ah, il fait très été, hein, turquoise avec des ananas pailletés. Magnifique. Alors du coup, en allant dire au revoir à la petite fille qui était avec Swan, la petite abonnée, on est arrivé sur les caisses et on a trouvé des petites gommes, hein, trop sympas, avec les animaux de la forêt ou alors avec des petits chevaux. Tu veux lesquels, petit cœur? Animaux de la forêt. Animaux de la forêt, allez, à te juger. Ça sera le côté un petit peu ludique, on va les garder pour la maison, celle-ci. Hein. Ouais. Du coup, on a trouvé ça aussi. Alors, c'est pas sur la liste scolaire, mais c'est très important. C'est l'étui du carnet de santé. Swan, il en a un depuis sa naissance, mais qui fait vraiment bébé. Et là, je trouve que c'est super sympa d'en trouver un à la bonne taille, hein, et qui fasse un petit peu plus grand, forcément. Hein. Voilà, Swan, il a grandi maintenant. Quand on va chez le médecin, il veut quelque chose d'un peu plus sobre. Nickel. Alors maintenant, il te faut un paquet de feuilles grand carreau et 10 pochettes transparentes. C'est là, regarde. Alors, ils n'ont pas précisé si c'était feuille simple ou feuille double. Hein. À mon avis, ce sont des simples pour toi. Hein. Allez, ça c'est bon. Tu te fais les muscles en même temps. Et maintenant, on va prendre les pochettes transparentes. Attention de ne pas les faire tomber. Coquin. Regarde. Donc là, on t'en demande pas beaucoup. On t'en demande une dizaine. On va prendre un petit paquet, puis tu les auras pour l'année, là. Par 50, c'est très bien ça. Alors, bien sûr, il faut penser à couvrir les livres. On prend toujours ça, vous le savez, pour celles et ceux qui suivent nos vidéos chasse aux fournitures scolaires chaque année. Comme ça, on aide en même temps Handicap International. Alors, on a dit que finalement, on prendrait l'agenda en dernier. Et avant l'agenda, il faut l'ardoise. L'ardoise effaçable avec le stylo Velleda et le chiffon. Ça ne sait pas du tout où c'est. Ah, voilà les ardoises. T'as trouvé? Oui, bien joué, c'est là-haut.
Alors tu veux quelle couleur? Je veux bleu. Une bleue, enfin, allez. Vert. Vert tu veux? Ouais. Alors je regarde. Bon alors du coup, on vient d'adopter un petit pingouin. Le voilà. Et il te faut aussi les stylos qui vont avec, les feutres. Alors du coup, en nous voyant choisir le pingouin, la dame du magasin nous a gentiment indiqué qu'il y en avait d'autres ici et qui sont incassables. Ah, c'est peut-être mieux s'asseoir, non? Et puis tu vois, on retrouve le pingouin. Par contre, là, on n'a pas vert. Bon, pas grave. On a bleu, violet, rouge. Quelle couleur tu veux? Ah si, peut-être vert au fond. Ah non, c'est bleu. Alors, bleu. Donc, on a pris celle-ci, incassable, toujours avec le pingouin. Et on a trouvé cette année, c'est la première fois qu'on le trouve, une petite chiffonnette pour aller avec. Super ça, nickel. On essaiera de trouver une petite boîte pour la mettre dedans. Je crois qu'on a bien avancé. On a le cartable, on a ici toutes les fournitures, on a pris du scotch aussi du coup, pour pouvoir couvrir plus facilement les livres et les cahiers. Et il manque quoi? L'agenda. Le fameux agenda. C'est parti! Ils sont là les agendas. Évidemment, on va prendre un agenda avec une page par jour. Il y en a encore ici. Tiens, regardez, du pop-corn. Ça va plaire à Néo, ça. Il y a Snoopy. Il y a plein de choses. Ça, c'est pour les plus grands. Regarde. Il te dit rien, celui-là? Ceux-là, on les connaît. On les connaît ceux-là, oui. Vous pouvez retrouver l'agenda de Swan et Néo dans tous les bureaux Valais. Vous attendra à partir du 14 août. Mais est-ce que tu vas prendre un agenda avec ta propre tête dessus? Oui. Vraiment? Oui, je vais en prendre un. Bon, bah finalement, Swan a choisi son propre agenda. Swan, t'es sûre? Tu veux pas en prendre un autre? Non, c'est ce que j'aime énormément. Tu veux ta propre tête toute l'année? Oui. Et celle de ton frère? Oui. Petite hésitation quand même pour son frère, vous noterez au passage. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut? Oui. Bon bah allez, on va à la caisse et c'est fini pour Swan. La chasse aux fournitures est prête. Et faut passer à la caisse d'abord, hein. T'es fin prêt pour la rentrée? Oui. T'as tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que tu préfères dans ce que t'as choisi? L'agenda. Swan et Léo. Oui, petit coquin. Les copains et Robin, quelle est votre fourniture scolaire préférée? Dites-le-nous dans les commentaires. Pensez au plus beau. Et surtout, abonnez-vous, on peut faire de gros bisous, on vous adore. A bientôt les copains et les copines, bye bye. Plein de gros bisous, bye bye. Et bien sûr, on donne le cartable de Swan pour l'association.